Il lui manque 42 cachets pour conserver son statut d'intermittent. Précédemment, dans 42. Je vous ai blacklisté. Ouais, je suis grillé, quoi. Salope. Oui. Elle m'a bien baisé. Bien baisé, la salope. Ça fait cabaret, ça fait ringard, c'est pas du tout ce que nous. Et écoute, Marc, je suis un peu à la dèche, là, avec mon renouvellement. J'ai compté et recompté mon nombre de cachets, mais j'en ai fait qu'un, il m'en manque 42. Tu fais toujours des petits tournages amateurs? J'ai toujours mon petit studio. Ouais. Bonjour, j'aimerais parler à Alain, s'il vous plaît. Mais tout le monde veut parler à Alain. T'es qui, toi? Dites-lui que c'est de la part de Kamel. Kamel. Oui. Ah ouais, c'est moi, Kamel, l'arabe qui chante faux. Non, je chante pas faux. Je prends des libertés avec la mélodie. Bon, attendez, je vous mets en attente. De la part de Kamel. C'est un certain Mohamed, tu prends? Ouais, donne. Non, c'est Kamel, en fait. Kamel. C'est quoi cette musique de merde? Ça? C'est Laurent Barre. Ah non, je suis désolé, j'ai du bras. Allô? Non, c'est de Laurent Barre. C'est... Quelqu'un, y a personne? C'est fils de Raymond Barre. On a genre plein délire. On l'aime bien. On dit le 4G, c'est pour... Ouais, salut Alain, j'ai peut-être une idée sympa, je t'explique. Attends, je te coupe. Ouais. Je veux savoir, ça va faire chez Sébastien ou pas? Ah bah, c'est même un petit peu le but. Bah alors c'est bon. M'explique rien, c'est tout bon, c'est ok, je suis partant. Du coup, est-ce que tu connaîtrais pas un producteur de merde? Qui fasse une grosse merdasse, quoi. Tu savais que le poisson clown et le mérou, ben ils sont capables de changer de sexe plusieurs fois tout au long de leur vie. Allô? Faut absolument que tu produises un titre. Ça s'appelle l'hermaphrodisme excessif. Non, ça s'appelle Papayou outé. C'est génial. Ouais, enfin, c'est pas... Ah. C'est doux. C'est quoi? C'est doux. Ça, c'est du cachemire. Y a pas que la musique qui est bonne. Plus de concombre, s'il te plaît. Aujourd'hui, le pire horoscope, hein, le pompon, comme on dit. Ça plante, pauvre con. Bon, ça va. C'est le natif du signe de la Vierge, une journée de merde. Alors franchement, restez chez vous, fermez toutes les portes, une journée de merde. Connerie, ça va bien 5 minutes. Cry, toilé. Ah, c'est mon blaireau de la télé. Elle me suit un autographe. J'ai déjà fait des kebabs, t'en feras encore. Non, il faut tirer le côté positif. C'est quoi le côté positif? Ouais, il n'y a pas de côté positif. Tire pas bon sur le chihuahua. Tire pas bon, un coup en l'air, un coup en bas. Je peux pas fermer ta gueule. Il touche mes castagnes et toi je toucherai tes ananas. Allez, on va faire une petite pause, d'accord? Ça vous a plu? Il était temps qu'il s'arrête. Bon, désolé, hein, je comprends rien ton truc de bozo là. Ah, non, guzo. C'est pour me déclarer. Bon, c'est écoute, on va faire simple. Tiens, hein, fais pas chier. Non, mais tu vas voir, c'est super simple. Il faut que t'écrives le montant des charges ici. Ah ben, il y a des charges en plus. Putain, faites chier les intermittents. Merde. Non. Là, tu coches la première case, un cachet, 12 heures. 12 heures? Mais j'en ai à peine 4 heures. Non, mais 12 heures, non. 12 heures, c'est un forfait. Ça veut pas dire que j'ai réellement fait 12 heures. 12 heures, c'est pour leur calcul, c'est pour la méthode de calcul. Ensuite, il faut que tu fasses une déclaration préalable à l'embauche. Minimum 15 jours avant aujourd'hui. Non, mais c'est... Il est trop tard, mais tu leur expliques et ils vont comprendre. Ils vont t'attribuer un numéro d'objet que tu inscris ici. Le feuillet, tu l'envoies à l'URSSAF, qui va le transmettre à Pôle emploi. Pôle emploi va me comptabiliser mon cachet de 12 heures. Mais je suis pas payé 12 heures. T'es un fou, toi. Non, mais 12 heures, ça veut pas dire que j'ai fait 12 heures. Hein, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. T'es en train d'essayer de m'enfler, là. Mais...
Non. Je vais pas te payer 12 heures, il est taré lui. Je sais pas de t'arnaquer. Alors, on résume, il y a 4 feuillets. 2 pour moi, un que je garde et un que j'envoie à la caisse des congés spectacle qui me reverse 10% sur le brut avant abattement. Parce qu'en plus, tu touches 10%, enculé. Moi qui voulais t'offrir un Fanta, tu sais ce que tu mérites, que je te donne des claques. Non mais, de toute façon, 15 euros, c'est pas ce qu'on avait dit, hein. Pourquoi t'as chanté 12 heures? Mais c'est pas 12 heures! 12 heures, c'est administratif! Ça veut pas dire que j'ai chanté 12 heures! Casse-toi. Hein? Casse-toi. Non, non, mais attends, ça va pas se passer. Tu veux que je lui coupe une phalange? Non, non, ça va. Monsieur, elle est payée. Ça fait 15 euros, monsieur. Oh putain, je les ai payés, elles sont à moi! Et que je te revois plus foutre les pieds ici! Je rêve où il a piqué des frites. Je crois qu'il lui a piqué des frites. T'as vu ça? Putain de clope de merde. Ouais. Dites-moi, vous vous reconnaissez-vous? C'est vous que vous êtes fait jeter dans l'émission d'M6? Ouais, c'est moi, ouais. Ah. Vous avez 2 minutes? Non, non, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est super long, 2 minutes. Hein. Alors, je me présente, je m'appelle Eddie Derwick. Ah, c'est bien ça, ouais. Bah, comme ça se prononce, hein. Sauf que le W, bah, il s'entend pas, hein. Il est muet. D'accord. J'ai 43 ans, depuis mon anniversaire, quasiment. Très drôle, ça. J'ai un don pour l'imitation. Ah, c'est bien, ça. Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Ouais, non, non, mais j'ai rien dit, moi. Bah, au niveau des voix, bah, les voix classiques. Donc, le roi Baudouin, Fred Derker, Charles Derker, ouais, le frère. Je connais pas, vous savez. Mais aussi toutes les voix francophones. Donc, alors, il y a toutes les voix, hein. Ouais. Michel Delpech, Michel Jonas. Attendez, vous allez me dire. Johnny Hallyday? Non, non, mais j'ai rien Johnny dit. Johnny Hallyday, bien sûr! J'ai rien dit. Bah, bien sûr, Johnny Hallyday! Mais aussi Céline Dion. Je suis très content d'être là. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Là, par exemple, là, c'est qui, là? Écoutez, je suis Dominique de Villepin. Je sais pas, moi, Dominique de Villepin. Mais ça suffit! Non, il dit pas ça. Par contre, il dit pas ça suffit, le. Ah si! Ah si, il dit ça suffit! Non, écoutez, moi, je peux rien pour vous, monsieur. Ah, mais vous, les Français, vous savez tout mieux que tout le monde! Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Si. Vous faites ça très ah, bien. Ah si, vous savez tout mieux que tout le monde! Foutez-moi le camp, foutez-moi ah, la paix! Ah si, dit ça suffit! Allez à la merde! Allez vous faire foutre! Mais foutez-moi le camp! Vous avez pris le melon! Lâchez la porte! Vous êtes un connard, monsieur! Avec un grand. Monsieur le voit à l'envers! Mais laissez-moi maintenant! Non, laissez-moi partir! Est-ce qu'on laisse partir un connard? Non, je ne pense pas, monsieur! Complètement fou. Quelle journée, c'est pas possible. Connard. C'est un connard. Melon. Le melon. Ah, c'est ça la Belgique. Bah oui, hein. Ah bah les belles la France, vive la France, vive la France, bah, bravo, bravo, vive la France, connard, c'est incroyable ça. C'est un cauchemar, je me réveillais, 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 c'est un cauchemar, je me réveillais. Toi, ta tête, elle est là. Oh.